opposition dans le pays, mesdames et messieurs, nous sommes différents par rapport à l'opposition que nous avons dans le pays d'Haïti. L'opposition n'a pas gagné à proposer, n'a pas gagné comme solution. Tout ça, c'est bourrer, craser, manifestation, c'est ça seulement. Opposition ça lui-même l'y fait. Mesdames et messieurs, il y a une quantité de poteaux électriques qui t'apprend le bail courant, donc dans le corail. Eh bien, opposition et yo comploté, yo mette diffé environ 14 poteaux électriques boulés dans le poteau ça, d'après information qui ont responsable, eh bien, lui-même l'y bail. Mesdames et messieurs, bagay yo vraiment dégénéré. Pendant opposition a dit président Jovenel Moïse, c'est pour grand messie la parler par un cours 24 sur 24 cap bay. Eh bien, mais qui ça yon responsable, c'est boule tout ça qui gen pour avec et donc matériel pour question courant 24 sur 24 là. Et c'est ça, ne gyo a fait. Et puis après, yon dou, Jovenel pas de fait rien, pas de bay courant. C'était parole pour grand messie. Bagay yon vraiment doule dans le pays d'Haïti. Bagay yon doule. Pour tout ça, vous voulez là, donc c'est l'autre réforme là, pour, et donc l'État va le faire pour comment vous avez acheté l'autre poteau. Encore tout ça, c'est comme l'État qui a gaspillé. Eh bien, l'opposition n'a pas pensé à l'agriculture, ils ont seulement besoin de stabiliser le président Jovenel Moïse et de chercher tout moyen qui possible, eh bien, pour vous et faire ça, vous pour vous faire. Nous parlons vite de plus de détails avec les citoyens, ça, eh bien, qui lui-même, c'est un grand dette, un ancien député. Dans la ville, ça a eh bien qui parle ben nous plus de détails sur la question poteau électrique que l'opposition a eh bien boulé. Mesdames et messieurs, restez connectés ou soutenez la caille, pas hésiter à abonner à votre canal là pour 4 jours. Restez informés. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, merci député Papillon. Nous parlons à Boucanté, nous avons regardé deux sujets importants puisque guerre, dialogue. Puisque qu'a parlé aujourd'hui dans le pays, nous pas regarder ça avec vous, mais avant nous rentrer dans dialogue là, c'est on va attirer attention nous que moi même que guerrier pour être capable de parler avec vous comme un parlementaire zone là qui croit dans le développement. Et d'ailleurs après voilà ou fin député ou établi quartier général ou dans corail, est-ce que ça moi sur les réseaux sociaux député Papillon, est-ce que c'est vrai? Radio Omega. Bon, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment je suis pas dit. Non, elle ne m'a pas dit ça, moi. Parce que je ne pense pas c'est ça. Bon, mon paquet de poteaux qui boule depuis des papillons, est-ce que c'est vrai, ça, moi? Est-ce que c'est ça, livré? Malheureusement, moi, j'ai confirmé que ça, c'est ça. En ce qui a trait à poteaux. Ce matin à 4 du matin, la ville qui est moi, je bat corail, et qui dit que mais quelle situation que la vive, et que probablement entre 2 et 3 heures du matin, il y a des individus mal intentionnés qui mettaient du feu dans un ensemble de poteaux électriques destinés à mettre un nouveau réseau et micro-réseau solaire corail. Et maintenant, grâce à la vigilance population, hein, et alors, forme de que, heureusement, nous avons mis toutes les poteaux sur le côté pour tout être éparpillé à plusieurs endroits. Et puis, et grâce à la vigilance population, en tout, ils ont éteint du feu là, avec, bon, forme de que tout près, c'est sous digue là, c'est une nouvelle rue que nous avons fait, c'est sous digue là, tout près de la mer, donc probablement à une dizaine de mètres de la mer, à 2-3 heures du matin, la population réagit très solidairement et il y a éteint du feu, hein, mais non perdu entre 14 et 17 poteaux sous l'eau de poteaux qui viennent avec 17 poteaux et qui étaient perdus dans chaque poteau que nous recevons. C'est un acte vraiment lâche, déplorable, malheureux, cynique, criminel. Avec notre objectif, nous avons mis encore des lits, sinon insensé, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas insensé. Je suis dans la politique quelques jours, et parfois dans l'opposition, parfois m'appuyer pouvoir, mais à aucun moment, pendant que nous-mêmes, nous sommes dans l'opposition, comment pour ça traverser l'esprit, pour nous avoir un adversaire politique, pour mettre l'électricité dans la commune, et pour nous-mêmes, pour nous soi-disant
en opposition avec les députés ou bien magistrats ou bien président de la République là, et puis moi que c'est moi-même encore qui parle de tout bien. Parce que pour toi, le côté où il y a, côté où il y a, il n'y a pas pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de jambe pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a pris la décision d'électrifier Corail, il voyait, et il y a peut-être un bénéfice politique qu'il va en tirer, mais c'est avec l'agent payant, l'agent taxe citoyen que la décision qu'il fait. L'ivoire, il est clair que bon, le député Papillon lui-même, comme un monde qui t'a soutenu Jovenel Moïse dans la commune, probablement pas tiré un bénéfice politique. Mais ce n'est pas pour Wolf Papillon. Moi-même, moi, quoi, depuis que je suis entré sur les étrangers, je suis entré tout le panneau solaire moi en bas. Mm-hmm. Tout le monde connaît que depuis 1994-1996, la carrière est éclairée avec des panneaux solaires, il y a une génératrice ou génératrice en bas. Donc ce n'est pas un bagage personnel que je vais régler. D'ailleurs, si je n'ai pas personnel, je vais régler, je ne vais pas venir. Et moi-même, je suis de Corail, je suis originaire de Corail, c'est pour ça que je suis là. Et moi, j'ai passé plusieurs années à l'étranger, m'étudier à l'université de Las Américas au Mexique. Et je me suis rendu aux États-Unis, à Miami. Après, ça m'a étudié dans l'université de Liège, en Belgique. Mais fini diplômé. Et c'est Corail, je ne vais pas même dire en Haïti, même, c'est Corail directement que je me donne. Et toute action, c'est Corail que je me fais. Donc, c'est une vie consacrée au progrès et à la prospérité de ma commune, de mon pays en général, de ma commune en particulier. Donc, je n'ai aucun intérêt personnel que m'a tiré dans le fait que moi, levé, je me suis gelé pour tout ça, je suis venu. Et même, magistrat Villa, nous levé à 3 heures du matin dans l'accueil et monde qui peut porter pour nous, parce que son bagage qui pourrait changer économie au monde, qui pourrait changer les conditions de vie, population, que notre défendement. Donc, je ne pas comprendre. Avant de dire que ce bail qui est mon guide de mettre sécurité sur votre, mais je ne vais pas mettre sécurité sur votre parce que ça dépasse l'imagination. Comment vous êtes capable de penser que une opposition qui est aussi bête et méchant pour que les pensées à détruire un bien public tel que le poteau électrique dans une zone qui n'a jamais gagné l'électricité? Première tentative d'électrification Corail, c'est moi-même qui fais lié en 1994. On commence avec une petite génératrice de 4 kW. Là, moi, engouement, mon yo, m'achète une génératrice de 100 kW pour m'éclairer et ville moyen. À l'époque, à partir de 6-7 heures du soir, tout le monde courait dans le cabanio parce qu'il a couru pour le gaou. C'est ça que je me déjoigne. Je dis à moi, je viens aux villes, qui c'est probablement une petite ville dans le département de Grand-Est, que je n'y ai puis consacrer les internets, tout le monde avec. Et courant électrique qu'on y a là, tout le monde consacre les courants électriques. Donc il y a énormément de progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Et je ne dis pas que c'est moi-même seulement qui fait, je suis accompagné par d'autres mondes, mais moi je fais ça, je suis capable. Donc il y a l'autre monde qui est entré dans le Gérard Cléier avec Batoli, etc., qui démène le développement pour zone. Donc il y a un ancien député Nicolas Descosses lui-même qui est venu, qui fait un peu de progrès. Et qui bétonnait Villa, qui mettait la padère dans Villa, qui s'est premier effort, moi, vis-à-vis de modernisation de Ville Corail. Et puis moi-même, comme magistrat, je me fais un pile travail. Maintenant, après, moi, dame, comme magistrat, et étant donné que je me fais un pile cours depuis pendant que je suis magistrat, moi, j'ai une politique de protection environnementale qui était très stricte. Je veux dire, sur Ville Corail ou la commune d'Anvers, c'est pas comme ça l'hiver là. Ce sont ceux de moyens coercitifs que je mettais en place. Qui t'a empêché mon coup de pied bois là-dedans, qui t'a empêché mon détruire les îles et ça, qui t'a empêché mon détruire mon voyant. Donc, et moi, prends responsabilité, moi, défense moi, et qui donc en 2010, le mal dans l'élection, bon, il fait me payer ça, et soi-disant. Donc, je n'ai pas voté moi parce que j'étais trop strict sur la question environnement. Mais après 4 ans de campagne, 4 ans d'expliquer mon nom qui sans faction, en 2015, je m'en suis chance, moi. Et moi, je fais tout ça, moi, qu'on est, qui est capable d'utiliser quoi. D'ailleurs, avant 2015, on ne pouvait même pas situer Corail sur la carte géographique du pays. Je dis, il n'y a pas une autorité dans le pays, il n'y a pas un monde, du président de la République jusqu'au Kazakh, qui ne connaît que bon côté qui est les Corail. Il n'y a pas une autorité dans le département de Grand-Est, je dis, si il y a un bagage qui venait pour la Grand-Est, qui permettait un parti qui revient à Corail de droit. Ça, c'est le fruit de mon travail. Ok. Mais, bon, quand même, on va regarder ça avec vous. Poteau Sao et député Papillon, c'est les poteaux que tu as servi pour faire, et, tu voulais, distribution
courant électrique dans la commune Corail, dans le département et département Grand-Est pays. Vous parlez de 14 et 17 poteaux qui boulaient. Sous qui quantité? Vous cantez la parole? Et sur environ 130, nous sommes donc, nous avons une chance, jeudi après-midi, nous avons parlé avec le président Jovenel Moïse au téléphone, sur ce qui passe quoi là, parce que le responsable du programme d'électricité à l'inversion de l'extérieur qui est en Tchutéo, le président Wetchut là, lui, il est moins. Et bon, moi, je dis, qui fait une mauvaise action, ça, moi, je dis, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Mauvaise nouvelle dans le sens que le président Jovenel, renouveler et volonté pour les continuer au contraire les plus vite qu'on est. Bon, on a l'impression les plus motivés qu'on y a avant et ce qui sont courants là. Donc courants à électrifier les bombes d'achat que mon papa dit là aujourd'hui dans la radio parce qu'il y a trop de contrariétés dans le pays et puis le papa dit que on a une date que nous allons respecter, il faut être prudent. Mais la conversation que j'ai avec le président aujourd'hui, c'est que ça va pas ébranler les. Au contraire, ils auraient dû faire le redoubler d'efforts pour continuer à faire ça à faire. Donc, l'électrification qu'on a là, la fête quand même, c'est juste. Les capables peut-être pour un petit retard, il y a des zones qui ont obligé de voir l'autre poteau plus haut, mais il n'y a pas rien qui changeait dans le plan que nous avons gagné pour les mettre courant pour elle. Ok, ok. Mais où indexer opposition en courant là, nous identifier Mounio? Il faut prendre un engagement ça. Bon, si on t'identifie, on t'a en bas code. Parce que comme du que une bagarre que je dis à moi, ouais, le montre sorti Jérémy et le montre courant, moi je viens de ville là en ébullition. Et gon réaction spontanée, côté que tout élève l'école dans la rue, oui. Et tout professeur, tout le monde réagit comme un seul homme. Et il y a demandé justice pour courant, manifestation spontanée. Ça veut dire que les populations vraiment indignées par ça qui passait, parce que ouais, que son bagarre va faire. Non, donc, mm-hmm. M'pas qu'à indexer un monde. Ce qui est sûr, c'est que je veux dire, si tu gagnes un monde que nous avons cité et que tu es sûr que c'était lui-même, c'est sûr que les consultes ont bien été en bas. Et nous avons une émission aujourd'hui à la radio Imagine FM dans Gordon, et nous recevons les trois appels. Il y a quelques indices qui sont off-air, donc, et information, ça nous va la cheminée à la police. Et pour la police qui travaille, et dans un délai raisonnable, pour nous capables de prêter un flagrant délit, et puis pour que la justice fait travailler, parce que nous ne sommes pas capables, bon pays, côté que on quantité mon a fait effort, et pour quantité mon a même détruit, il n'est pas possible, mm-hmm. C'est inacceptable. Mm-hmm. Alors, dire que c'est opposition qui fait, c'est beaucoup dire, peut-être nous ne sommes pas capables d'aventurer à ça. Mais lorsque m'a analysé, parce que pendant l'émission, il y a un élément qui dit que lui-même est en opposition et qui présente un pays comme un élément de l'opposition, etc. Même question de déposer, monsieur, et à qui ressemble le crime, à qui profite le crime? Est-ce que les sont bagailles qui semblaient, est-ce que sont un partisan pouvoir qui pourrait faire une action ressemble à un partisan d'opposition? Bon, il va te répondre, mais même nos bons yeux, pas. Moi, puis sembler en question d'opposition. C'est pas bon, ça tout. Au sujet dans le Nord, dans la Tibonite, pardon, récemment, il y a boulé une machine qui est destinée à asphalter route mm-hmm. et notre pays. Donc, c'est son bagage insensé, totalement insensé, qui passait là. Mm-hmm. Mais nous-mêmes, dans Corail, de conseil avec la justice, on a essayé de chercher au terre Zach Maronet, ça. Vous tentez la parole? Activement, là, comme je veux dire, c'est bien. En réunion avec les principales autorités, la police, la mairie, etc. Tout le monde a été chita. Et c'est enquête qu'a faite. Et les policiers, depuis le matin, la machine a récolté l'information, etc. Et tant qu'on me dit, dans l'émission radio tout à l'heure, la guerre, il y a un monde qui a plusieurs informations offertes. Et tout le monde a été compilé pour que nous arrivions à jouer le monde. Parce que c'est pas pour presse. Quoi est un village où pratiquement rien ne se passe. Donc lorsque. Ou bien on a un comme ça qui vivait, il est presque impossible dans une ville comme ça pour tout le monde baguette à connaître et tout de suite qui est-ce qui fait ça là et poser la question. Donc nous avons fait bague et nous avons cherché au terre Zach Malonet ça, j'en dis là, activement pour nous passer code dans le couille. Radio Mikado. Nous sommes obligés de faire ça pour deux raisons. Premièrement, parce que la question de sécurité publique là, c'est pas une question au niveau de l'État seulement que dit. C'est une question qui commence au niveau citoyen.
c'est à partir du plus simple du citoyen pour nous faire. Et moi-même, forme de que je fais 4 ans comme député Corail, et pendant 4 ans, même pas jeune jeune, il y a un monde qui même pas les droits avec moi. D'ailleurs, tout le monde connaît nous, un député qui pas gain, qui va marcher avec sécurité dans la commune, c'est à pied marcher, et sous moto marcher, pendant tout 4 ans. Non. D'ailleurs, madame Fini, actuellement, on va parler de Corail, c'est Corail que mieux. Donc, moi-même, moi, toujours, été enraciné dans la commune qui était, voyez, mal représenté là. Donc, pas jamais, il y a aucun problème, ça. Dernièrement, dans le discours de remerciement, je me suis présenté bilan sur place publique là, et me féliciter l'opposition coréenne comme une opposition éclairée, parce que c'est une opposition qui est restée sourde aux appels à la violence de province et du reste du pays. Corail, c'est une ville calme, c'est une ville accueillante, c'est une ville qui va jamais rien passer. C'est ça que fait Jodia qui a tout émoi ça, qui a tout saisissement ça. Parce que nous n'est pas habitué, oui, ça oui, je veux dire. Donc c'est probablement un élément qui a copié et bagali va passer pour tout le monde. Bien ailleurs dans le pays. Mais là, franchement, nous voulons tourner pour le prince, parce que nous-mêmes, ma commune, pas de nom, nous pas tous les gens de bagali. Si vous voulez le faire, et bien, nous courons lié. Et bien, nous courons lié, nous disons, et bien, nous courons lié. Ah, si nous connaissons qui est lié, qui va dire des choses, nous apprenons déjà. Mais c'est sûr que ce n'est pas courons lié à prendre bagali, ça. C'est pas de prince qui apprend. Mais pour le moment, c'est que. Il y a un mot parce que c'est ça qui est le problème dans le pays. Là. C'est que nous avons une série de barrières drôles qui ont passé pour le prince, parce que pour le prince montrer aux capacités de tolérance extrême, je ne vais pas tolérer toute bagarre, naturellement. Il va mettre toute bagarre dans la figure, ça va déranger. Et puis, on a mieux comprendre qu'ils sont capables de sortir pour le prince, puis il y a le même comportement, ça, notre petite communion, nous, on n'est pas possible, nous ne pouvons pas tolérer là, et ça, on a débattu pas mal. D'accord, d'accord, DP. Bon, en tout cas, bah, c'est. Gon dit à qui m'a dit là. Gon tronçon route Kafouchal à Corail, c'est ça? Radio Omega. L'édit qu'il l'a fini. Ah, c'est une bonne question. C'est pas une route qui était inscrite dans le budget national. C'est une route qui était prise au libre sous projet Caravane, président de la République là. Et donc, nous-mêmes, comme je disais, par rapport à 4 mandats par an et par rapport à la promesse que je disais, nous. Des démonios que nous prenons le fait et démarche pour que route ça nous capable de gagner en terre battue et praticable de Kafoucha la Corail. Ça a été ma promesse électorale. Or, moi-même, je fais plus que me dépromettre. Je ne partage jamais l'audace pour me promettre que je prends l'asphalte, partie qui est plus difficile là. Or, grâce à l'intervention de Jovenel Moïse, et nous arrivons à asphalter des kilomètres de route qui était très difficile là. Ce qui fait que Jodia, Jérémy Corail, c'est à une heure de route, ou bien pratiquement 45 minutes de route de Jérémy à Kafouchal qui est asphalté, et de Kafouchal à Corail, une quinzaine de minutes de route, desquelles on gagne 2 km de route asphaltée. Donc, moi, c'est que, à la question d'asphalter les 15 km de route Kafouchal à Corail, donc les 13 km restants, c'est bon, bagaille que mon capon une décision pour ça, et pour me dire, mais qui joue pour le faire. Moi, c'est que son bagaille qui pourrait entrer dans notre budget, et son bagaille qui apprend tant les. Pour le faire, en attendant, ce que nous sommes capables de promettre, ce que nous sommes capables d'assurer, d'ailleurs, déjà fait des marches auprès des travaux publics de Jérémy, pas plus tard que hier, dans le titre de notre montagne-là, en façon pour nous quimber route là, en terre battue pour le moment, mais carrossable pour tout type de voiture. Je dis bien, de voiture, pas de 4x4. D'accord. André, rapidement, pour nous finir, EDP, je dis à Gagnon. Dialogue là, l'ina actualité, hein, puisque tout le monde a parlé, chaque monde a une compréhension des dialogues là, où c'est ancien député, 50e législature, comment ou même, ou tendez, comment parole s'arrivait dans les oreilles, ou dialogue? Radio Omega. Bon, son mari qui m'a dit depuis au moins 3 ans, et il y a un bagage pour tout haïtien comprendre, c'est que Chita bon table, c'est un bagage que les hommes ont toujours fait. Ou bien on a choisi faire avant faire la guerre, ou bien choisi faire après faire la guerre, mais on a chita quand même. Et nous, Wally, si nous avons par exemple Deuxième Guerre mondiale, ou même Première Guerre mondiale, nation belligérante, une pensée qui font que l'autre, surtout pendant la Première Guerre mondiale, nous restons clair, côté que chaque monde pense qu'il va rentrer dans la guerre, et puis non, moi, tout va être fini. Vous la parole. Et résultat, la guerre a duré 4 ans, 10 millions de monde mourir. Mais finalement, il est obligé de sur table de négociation pour signer la reddition. Et c'est le même scénario, puisqu'on n'avait pas appris suffisamment de la Première Guerre mondiale, c'est le même scénario qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, côté que nous venons chita, bon table pour nous négocier.
Donc, et ça qui fait là, je veux dire, là, et je pense que après 4 ans de manifestations crasées, brisées, pays loc et banditisme, etc., et je pense que m'espérer, en tout cas pour pays moins, que il y a une lueur de bon sens qui commence à passer dans la tête et politicien nous yon, qui fait comprendre que faut que chita, pas seulement dit faut que Jovenel Moïse aille. Même le Jovenel Moïse a décidé que, et bon, ce qui est plus probable, même elle a décidé de parler demain matin. Mais comment ça la fait clé là? Faut que les gens côté de chita avec moi. Alors, il y a un faut aller encore parce qu'il y a un mandat fini depuis 7 février, faut le quitter par l'air parce que c'est sous l'oublié là. Radio Omega. Oui. C'est l'opposition. Bon, je ne vais pas rentrer dans causer ça. Le fait est que il continue à décider au niveau de toutes les instances de la République, de toutes les instances qu'après l'ordre Mameli, il est le président. Considérez-le comme le président constitutionnel du pays, comme moi, ou comme le président de fait, comme l'opposition, il est le président de la République. C'est sa réalité à qui lié. Donc, on y a pas, faut que nous acceptions Chita, Monta, pour nous garder pour nous comment nous parler. Bon, ensemble de sujets qu'on a discuté là. Que ce soit question constitution, j'ai oublié de faire la même si, que même moi, j'ai dit, et présenter des accords, moi, à travers certaines émissions de radio, à travers plusieurs articles que j'ai publiés dans le Novelliste, que moi, j'ai dit, ça me pensait de lui, que je ne vais pas retourner sur lui pour le moment là. Et que ce soit. Et l'autre sujet qui est d'actualité, et les élections prochaines, etc. Mais il faut qu'il y ait une façon que nous chita pour le faire. Parce que le bail pour nous comprendre, c'est que nous avons choisi, depuis 1986, nous avons choisi la démocratie. Et nous codifions la façon que notre démocratie nous a fait là, à partir du 29 mars 1987. Mais qui s'en voulait. Maintenant, il se trouve qu'à plusieurs occasions, nos crampés nous disent. On oublie ça me dédiera de 27 là, c'est-à-dire la Constitution, on nous fait l'autre bagaille. Et l'homme, quand je dis, il dit oui, il faut qu'on transition, il faut que ceci, il faut que ça. Mais qui côté lié écrit dans la loi Belia? Il faut que je vienne là, je ne vais pas avec ça. Mais là, les vous qui proposition qu'on gagne? Avec qui ça, qui bon autorité, que moi-même, je vais respecter, que c'est moi-même qui est autorité. Mais le monde déjà fait expérience ça, déjà. Il est vrai que l'humanité font pile temps en époque primitive, que le vivre sans institution, sans constitution, et que n'est qu'il y a plus gros sur même là, il fait toujours guérison, et pendant des millions d'années, les hommes ont vécu comme ça. Mais il se trouve que depuis plusieurs milliers, certaines de mes années, que les hommes finissent par comprendre que faut qu'ils organisent, il faut que les institutions, que toutes ces institutions-là, que ce soit le Parlement et la présidence, et les élections, etc., ce sont des bagailles qui sont relativement nouveaux dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ont vécu pendant des millions d'années sur ces institutions-là. Mais à partir du moment que nous finissons par comprendre que c'est ça seulement qui est capable d'assurer la paix et la stabilité publique pour le bien-être de tout le monde, eh bien, nous sommes obligés de soumettre à nous-mêmes. Donc il faut que nous comprenions que le temps évolue. Et c'est ça, malheureusement, que les députés de la 50e législature à laquelle j'ai appartenu n'ont pas compris, les temps ont changé, gossé de bagailles qui étaient qu'on passait dans le Parlement, que mon était qu'on acceptait, au fait, mais je vous souviens, mais qu'on y a, mon nous dit que n'ont pas accepté encore, nous sommes dans une période de vigilance citoyenne et le pouvoir doit le comprendre, l'opposition aussi doit comprendre qu'aujourd'hui, on peut pas arrêter là pour dire nous voir son conseil des sages, n'apprend 4 mètres pour tout prince. Et puis nous ferons gouvernement, et puis on va soumettre la grandeur, le nord, le nord-ouest, à votre volonté. Non, ça ne se fait pas. La seule façon que nous allons pouvoir dans le pays ça encore, et qu'il y a accepté autorité, c'est par les unes. Et pour aller par les unes, non, il faut qu'on chita, moyennant un dialogue, qui définit avec qui conseil électoral que nous allons aller, qui garantit que chaque entité a gagné. Pour que l'élection soit faite claire, pour que pas y ait contestation électorale, et puis qu'on y attend, nous pourrons être capables de valider pour voir que le peuple a confié à Moun que le choisir. Mais autrement, pas que j'aime bien la paix. C'est ça pour nous comprendre.
les temps sont révolus. Pas bien, il n'y a aucun monde Geoffrey, transition, etc. Pas bien transition. Pas bien monde qui va l'accepter encore. Vous faites transition. Vous faites carré, font bonne lettre, bien d'un pays à la rue, député. Ah ben, je suis désolé, c'est ben, même peut-être mon mauvais médecine, mais parfois son médecine amère qui font fait grimace, qui guérit. Ou. Donc, même, je veux bien être cette médecine amère qui va se faire grimace. Pas bien transition dans le pays encore.